Et bienvenue dans l'épisode 12 du Let's Play sur Donkey Kong Country. On est reparti de plus belle. Donc dans l'épisode précédent, on a galéré sur un niveau pour essayer de trouver un fameux point d'exclamation. On n'y est jamais parvenu. C'est pourquoi dans cet épisode, on va essayer de progresser un petit peu. On va avancer et peut-être arriver au boss avec mon ami Pilgrim. Merci Kao et bonjour à tous, bienvenue donc sur cette vidéo, dans ce Let's Play de Donkey Kong, qu'on va essayer de finir à 100%, ça reste notre objectif, hein. On reviendra plus tard, peut-être hors vidéo, sur le niveau qu'on a loupé. En attendant, bon, pour regarder des vidéos distrayantes, on progresse, on va avancer. Donc là on a fait un petit peu de hors caméra, c'est-à-dire qu'on a été farmer des vies avec Kao avant. Et là, on y va, on avance, donc cave camouflée, c'est parti. Un tout nouveau niveau. Et c'est 101% en fait. Si on finit le jeu avec tous les secrets, c'est 101%. Oh, mais c'est pas vrai, je vais choper l'épilepsie là-dedans, au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un niveau épileptique. Ah non, mais attends, mais il va falloir 2 ans pour progresser là-dedans. J'ai un problème d'électricité. Putain, mais vas-y, moi je leur paye leur facture. Oh putain, alors les tonneaux sont visibles, mais pas les ennemis, quoi. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Ouh là là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et... à la limite, les sauts, ça va encore. C'est pas ça le pire, quoi, mais... les ennemis, quoi. Et on n'a pas de lunettes à infrarouge, ou... il y a un dauphin, là. Oh putain, ouais, il est bah, chaud. Il est bien pour l'instant. Des under spectacles, tiens, ce serait pas mal ça. Une potion de vision de nuit. Voilà, il faudrait ça. Et en fait, moi je pense qu'on va quand même essayer de faire point d'interrogation sur le niveau. Bon, peut-être dans des vidéos plus tard. On va, parce que moi j'ai quand même, je viens fou de pas avoir trouvé ce foutu secret. Mais moi, le pire, c'est ce que tu me disais, c'est que t'avais fini le jeu à 100% quand tu l'avais fait. Donc ça veut dire que tu l'avais déjà trouvé. Ah oui, bon, mais ça date, ça doit faire, je pense que j'avais 13 ans, donc ça doit faire 17 ans en arrière quand même. 17 ans en arrière, t'es si vieux que ça, la vache, c'est chaud quand même. Putain, ouais. Donc ça fait, ouais, plus ou moins 17 ans, et bah fini à 101%, je l'avais fait bah, qu'une fois, quoi. Donc, comment veux-tu que 17 ans plus tard, je me rappelle de tout? C'est chaud quand même. J'ai pas une mémoire de... Et en tout cas, jusqu'à présent, t'assures. Ouais, mais y a pas d'ennemis, en fait, c'est pour ça, c'est de la chance. Et arrête de me dire que j'assure, je vais mourir. Y a peut-être un peu moins de mobs, vu qu'ils ont utilisé ce... Ah! Oh, putain. Non, 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 non. La difficulté est vraiment... ouais. Oh, putain. Ah merde, t'avais pris le tonneau milieu. Ouais, j'avais pris le tonneau de milieu. Ouais, j'avais pris le tonneau de milieu. Bien joué. Allez, vas-y, impressionne-nous sur les ennemis que tu peux pas tuer. Ouais, putain, je suis obligé de les esquiver. Oh là là là, c'est vrai qu'il faut se concentrer. Détends-toi, mec. Tout va bien se passer. Ouais. Je veux bien me détendre. Oh là 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 là. Je peux pas les tuer, moi, ces boss. Ah, les cordes, on les voit pas non plus. Ah non. Ah, la fourberie, quand même. C'est chaud, hein, quand même. Ah, et t'avances quand même plus vite que moi. Ça reste dynamique. C'est normal, j'ai retenu le tout par cœur, là. Oh, putain. Et alors, tu sais que quand je saute dans le vide, t'es pas obligé de faire comme moi, en fait. Enfin, même si t'as sauté un peu plus loin. Bah, en fait, j'ai voulu reproduire exactement ce que tu venais de faire, tu vois. Ouais. C'est pas mal, je crois que je suis tombé au même endroit que toi, non? Je crois que t'es tombé genre une plateforme plus loin, ouais. Ok, bah tu vois, on progresse. Et j'ai toujours pas de carambars. C'est quand que tu viens m'apporter des carambars, mec? Bah écoute, si tu veux, dans l'immédiat, je vais peut-être te les envoyer. Ce sera peut-être plus simple. Il faut que je te file mon adresse, parce que je vais déprimer, là. Ouais. Mais tout le monde va déprimer, hein. Ah bah ouais. Bon, j'ai la poubelle. Pas que c'était une denrée si rare que ça en fait. Ah oui, c'est très très rare. Alors, j'ai reçu un SMS de Joel Pedo qui me montre son cul. C'est bien. Je vais enlever le son.
Peut-être. Voilà. Qu'est-ce que tu disais, quoi, dans l'immédiat, les 40... Ah, oh non, putain, mais ça fait deux fois, mais j'apprends rien, je suis amulé, ça fait deux fois que je tombe au même endroit, je suis en train de te montrer l'écran avec le doigt, mais je suis sûr que tu vois rien du tout. Un mulet, t'es un mulet. Oh, arrête. Hui. Ouh là là. Ça c'est parce que j'ai pas fini de boire mon thé, ni mon cappuccino. C'est ça le problème. Ouais, pour les carambars, il va falloir... Ouais, que j'achète des tonnes et des tonnes. Je sais pas. Allez, prends des actions directement. Hoot! Oh putain. Hi. Voilà. Après, il n'y a plus trop de morts, donc ça, ça va. C'est ici que je tombe. Oh! Voilà, et... Attends, et t'as vu ton pied, il est en dehors. Hein. Là, de ouais, t'as pas un pixel sur la plateforme. Oh! Bien non, pas le croco! Oh putain. Oh putain, et je l'avais pas vu. Moi, tu sais, je serais mort. Oh, il y a une flèche, c'est bizarre ça. Oh putain, mais il est fou! Oh là là là. Eh, c'est vache. Hein. Oh là là, et imagine les bonus, ils sont où? Oh, oh putain! Pff, ok, d'accord. C'est du par cœur, en fait. Ah, c'est ça. Du die and retry. Mais on doit pas être loin de la sortie, je pense. Hein. On doit pas être loin. Ah, t'as vu que t'arrives à les tuer avec une roulade? Tu mettais pas de la bonne volonté au début? Si, avec une roulade, je peux. Mais pas les bonhommes bleus, là. Les bonhommes bleus, avec une roulade, je recule, il me semble. Il me semble. Oh, putain. Eh, c'est chaud. C'est super. Ouais, c'est méga chaud. C'est méga chaud. Hop, c'est bon, tu l'as eu. Hop. Et après avec les crocos... Bon, au moins ils sont gentils, ils mettent pas mal de tonneaux. Ça c'est cool. Ouais mais bon, les crocos, franchement c'est abusé. Et le premier que t'as tué... J'étais hyper concentré, j'ai... Mais je l'avais pas vu. Hein. Il faut avoir des yeux de lynx. Pas des yeux, des yeux. Un œil. Des oeils, c'est ça. De l'ail, des os. Des ailes. Ah, ok. Un chat, des chauds. Un, des chapiteaux, un chapital. Exact. Pourquoi, qu'est-ce qu'on dit, des chacos? Non, ça c'est pour un chacal, des chacos. Bande de chacals, saut, vous allez mourir comme des chacals. Ça fait beaucoup chacal quand même. Ça fait beaucoup. Ce tombeau sera votre tombeau. Oh là là. Eh, je me réjouis de passer ce niveau quand même. Il est chaud, chaud, patate, putain. En fait, c'est, je me disais, dans les niveaux précédents, oui. Je me disais vivement qu'on réussisse les niveaux. Les prochains, ils vont être un poil plus faciles. Mais en fait, non. La difficulté, elle ne cesse d'augmenter. C'est vrai que question de ça, la difficulté est quand même bien dosée. Hein, parce que, mis à part ce fameux chariot minier, là, dont on parlait, je crois, déjà à l'épisode précédent, là, au niveau 2. Ouais. Mis à part celui-là, qui est vraiment compliqué, je trouve, dès le début, sinon les autres, la difficulté, on sent bien qu'elle monte au fur et à mesure. Merde, putain. Il faut que t'attrapes la corde, en fait. Ça, c'est un conseil de professionnel. Ok, ça marche pendant. Mais oui, mais c'est vrai que en dehors du niveau là, ouais, c'est vrai que la difficulté elle est bien réglée, elle progresse petit à petit tout au long de l'aventure. Mais c'est comme ta série Megaman, hein. Je trouve que la difficulté est vraiment super bien dosée. Ouais. Et en plus de ça, t'as trois difficultés différentes, facile, normale et difficile. Et tu joues en normal, toi ? En normal, ouais. Mais je pense qu'ils ont vraiment bien dosé les trois difficultés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un travail merde. Uniquement sur une difficulté. Tu vois, qui se sont donnés à mort dans toutes les difficultés. C'est ça qui est bien. Certains jeux, franchement, tu regardes, peut-être que la difficulté normale était vraiment... Un poil facile. Non, mais comme s'ils avaient travaillé uniquement sur une difficulté.
tu vois. Puis que les autres difficultés, j'en dis ouais, bon, tranquille. Ouais, je vois le genre de jeu dont tu parles. C'est vrai que il rajoute artificiellement des points de vie au mob, alors que ben, c'est pas ça qui augmente la difficulté. Par exemple, Skyrim, tu vois, je trouve que Skyrim, la difficulté est très très mal dosée. Parce qu'en... Yeah. Ah, bien vu la banane. En fin de jeu, Skyrim, t'as plus aucun intérêt. Hein. T'en beau mettre en légendaire ou tout ce que tu veux. Ok. T'as même dans les bonus, ils coupent la lumière, les salauds. Oh, et c'est quoi ça? Un tonneau. Oh non. Oh putain. Ça veut dire qu'il y a un babouin là. Oh. Tu l'as shooté avec le tonneau. Oh. Ouh. Allez, t'es à la fin, mec. Oh là là, il y aura bien un secret là. Ouais, je pense, là, juste en dessous. Attends, est-ce qu'il y aurait un tonneau quelque part? Je vais crever. Mais arrête, on est à la sortie. Ouais. Tu veux pas prendre le secret, alors? Mais il n'y a pas de tonneau. Ah, il n'y a pas de tonneau, j'aurais dû garder... Attends, fais gaffe et... Il repop? Non. Ah, je sais pas. Oh, il repop. T'as vu? Je t'avais dit. Oh, les salauds. Attends, là, il n'y en avait plus, là. Il y a quoi? Yeah. Putain, fais gaffe, il y a un croco. Oh là là. Eh, ça, c'est un point que je t'ai donné, hein, gracieusement. Oh, arrête. Eh, arrête. Je crois qu'il y a le boss, là. Attends, va bah, sauver. Je crois aussi qu'il y a le boss. Va sauver avant. Je pense. Toujours mieux, on sait pas, hein, si on a une coupure d'électricité. Hein. Et tu sais, bah, quand on a tourné l'épisode... d'avant. Ouais. Il me semble qu'à un moment donné, je t'avais dit que j'avais eu un gros coup de lag. Ouais. Donc ça n'a pas duré longtemps. Bah tu sais que j'ai regardé et en fait, le lendemain, il y a des potes qui m'ont dit t'as pas senti le tremblement de terre. Et en fait, après j'ai regardé à l'heure qu'on a commencé à tourner la durée de la vidéo et ça tombait plus ou moins dans Zola. En fait, il y a eu un monstre tremblement de terre chez moi, mais j'ai rien senti. Et je me demande si t'es en fait le lag. Concentré. Voilà. Je me demande si en fait le lag n'est pas venu de là. Enfin, un gros tremblement de terre, c'est un truc de... Moi, je sais pas, il y a que les hypersensibles qui ressentent, je pense. Ou un truc que tu sens vibrer, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente le boss? Est-ce que tu préfères le garder pour le prochain épisode? Mais de toute façon, si on fait le boss, on peut sauver après ou pas? On peut sauver, mais il faut pas rentrer dans le prochain niveau. Eh ben là, on est rendu à 13 minutes. Moi, je me dis que vu que la plupart du temps, on les faisait patienter un épisode avant d'avoir le boss, moi, je me dis, on se fait le boss, après, on saute, ouais. Et après, on se fait un petit point d'exclamation. Eh oui. Ben, ça marche. Allez. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Alors, c'est quoi? Je sais pas. Il y a encore plein de bananes. Oh, putain, qu'est-ce que... Okay. Ah, c'est un tonneau qui là, chie des boss. Il va chier de plus en plus. Mais je crois qu'on doit pas le tuer. Il faut juste tuer ce qui crache et survivre. D'accord. Hop. Hop, voilà. Et tant que tu tues pas les boss, il relâche pas de boss. Oh. Voilà. Hop! Oh non, pas les gros! Oh, ça va en fait. Si t'as les bleus, t'es marron. Hein. Enfin, je me comprends, c'est beaucoup de couleurs. Ah bah, je sais pas s'ils vont mettre des bleus. Oh! Oh non, le pire du monde! Putain! Putain, c'est satané machin! Oh merde! C'est les fameux tatous. Et fais gaffe, bah, je crois qu'il est long le boss. On n'était pas prêt encore d'arriver au bout. En fait, peut-être que moi je devrais faire le début. Et après, toi, comme ça, tu peux tuer les gros. Et les gros plus facilement. Bah écoute, on refait un essai. Et si on voit que ça passe pas, tu prendras la main au début. Yeah.
Yaman. Bon, peut-être tu vas tout démonter d'un coup parce que là, t'arrives gentiment au gros, là, je crois. Ouais, c'est les militaires croco. Avec leur casque. Ah! Et aucun réflexe, le mec, c'est incroyable. Ouais, ça. Il me semble que t'as des problèmes. Je sais même pas comment je fais pour être encore en vie dans la vraie vie. Ah non, 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 mais tu me laisses. Non! Mais cela, je ne veux pas, mec. Non! Je refuse! Oh putain, mais pas de tatou. Les tatous sont interdits. Tiens. Oh. C'est là que je vais crever direct en fait. Yeah. Bon, au tatou, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je sais pas. Roulade. Ouais, mais roulade, je les tue même pas en un coup, ces pauvres tatous. Ouais, mais ce sera toujours mieux que de mourir. Voilà. Hop. Hop. En plus, il montre avant de tomber où il est. Oh putain. Hop. Ouh. Celle-là, les tatous. Ouais. Non. Si, si. Impossible. Oh putain. Putain, c'était la boss finale, les tatous. Bah ça va, je pensais que c'était encore beaucoup plus long que ça. Alors, Donc là, il faut pas y aller. Carte des chimpanzés. On verra ça certainement au prochain épisode. Ce qu'on fera, c'est qu'on prendra un maximum de vie, histoire de pouvoir traverser le niveau jusqu'à la prochaine sauvegarde, jusqu'à ce qu'on croise Candy. Ta petite copine. Yeah. Et tu vois, c'est moi ou le bateau il s'est rapproché? J'ai l'impression qu'il était plus petit que ça avant, non? Sérieux? Je sais pas. J'ai un doute. Je voyais plus petit que ça avant. Bah, on regardera dans les vidéos. Peut-être que plus le pourcentage augmente, plus le bateau s'approche, je sais pas. Tu m'étonnes. Tiens. Jusqu'au moment où il va s'échouer. Bon, du coup. est-ce que tu veux faire un point d'exclamation? Enfin, ouais. Oui, tu peux en faire un, mais dans quel niveau? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va dans le précédent? Bah tu sais que moi je serais pour retrouver ce secret dans ce putain de niveau, mais après, fais comme tu veux. Bon, je pense qu'il faut savoir faire plaisir à tout le monde. Hein. Moi ça me rend fou. Je te jure, je dors plus depuis... Bah c'est vrai? Ah, va sauver avant. Bah non, je dors plus, je... Tu frappe ma plus. Femme, je m'engueule avec mon chien, je... Tu bats tes enfants? Voilà. Il ramasse. Mais papa, pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai dit, si tu sais pas, pourquoi, moi, je sais. C'est ça. C'est le plus. Allez. Faites des gosses. C'est parti. Mais bon, c'est vaut mieux frapper ces gosses que se déjouer. Qu'est-ce qu'il dit? Eh, c'est de l'humour noir. Hein. Je n'ai pas d'enfant. Hein. On m'a interdit d'en faire. Alors, baril de TNT, on m'a interdit d'en faire n'importe quoi. Et alors là, on fouille tout. Bon, ça doit être au début, ça doit être n'importe où. Ici, il y a un secret, on le savait. On tombe dans chaque trou, on renifle tous les murs, on va trouver ce truc en moins de 10 minutes, promis. Et au pire, voilà, on accélérera. Au pire, on accélère, on fait je sais pas. Et là, il y a deux murs, il y a deux. Ouais, mais. Il y a deux tests à faire là. Non, ici, non, on les avait déjà fait ici. On avait déjà essayé ici. On avait déjà essayé les deux murs là. Ouais, ici. Ouais, ouais. Le trou là, on est tombé dedans. Bon, à mon avis, il n'y a rien. Hein? Non. À mon avis, il n'y a pas. Le mur là, ben, le pneu. Il faudrait un tonneau. Et le mur là, ici dans un de ces murs, il y a un truc, je suis sûr. T'avais pas essayé ça aussi? Ah mais ce qu'il y a, on peut pas revenir en arrière. Ah et TNT, je suis sûr que c'est... Ah merde. Bah il y a un bonus ici, je pense. TNT, ouais, parce que je pense bien. Avec un tonneau TNT, je suis sûr qu'il y a un bonus. Et ici, là, il y a plein... Il y a tous ces murs en fait qu'on doit tester, mec. Tous. Attends. Mais t'avais dit 10 minutes, on a intérêt à se dépêcher quand même.
Sauvegarde, sauvegarde, on est au milieu du niveau. Où? Juste à ta droite. Ah mais je vais pas sauvegarder. Ah non, c'est pas une sauvegarde. J'aimerais... Ah, on peut pas. Saute sur le croco. Ah, on peut. Non, mais laisse mon tonneau, mais... Quel enfoiré. Ah, et en plus, je suis mort. Bon, c'est pas là. Bah, en fait, je voulais pas sauvegarder. Enfin... Bah, j'ai pas sauvegardé. Et, ah oui, il faut qu'on essaye là, en dessous, mec. À côté, c'est là que je disais, en fait. Peut-être j'aurais dû essayer avec le tonneau. Là, à droite. Ici à droite de ce truc. Bon, ça me paraît un peu improbable, vu qu'il est collé. Bon. Ouais, non, c'est compliqué, on peut pas passer à travers. Après, c'est peut-être en hauteur. Enfin, ce serait possible aussi. Et là-dedans... Non. Avec ce pneu, on n'a jamais trop trouvé d'utilité. Oh là là. Envoyez-nous un SMS, hein. Vous nous avez rien écrit. 8-12-12. 8-12-12. 66-66-66. Avec le code, avec tonneau. Le mot de passe, tonneau, c'est ça. €6000 le SMS. Ah ben voilà, le pneu il est parti. Ah bravo. Et Pelgrim il est parti aussi. Oh mais ça sert à rien, ça sert à rien. Je pense qu'il vaut mieux recommencer depuis le début. Je suis sûr que le secret est pas à la fin. On a tellement retourné la fin, on a tellement fouillé la fin que je ne pense pas. On a fouillé toute la fin. Et on s'accroche automatiquement à cette liane. Bon. Bon. TNT, ça c'est pour le baril d'huile qui est juste à côté. Voilà, mais si c'était pas pour celui-là, il y aurait un plus loin. Oh, je t'ai senti hésitant. S'il faut casser... Voilà, on pète celui-là. Et le secret, en fait, tu vas voir où il est. Il est ici. Non. Ah ouais? Il est là. Non. Il est. Ça fait un bruit bizarre, comme si je crevais le pneu. Toi, dégage. Il y a un secret ici. Non. Il y a un secret là. Non. Il y a un secret ici. Non. Et là, en haut, il n'y a rien. Oh là là. On voit rien là-haut, hein. Pas de lien. Rien du tout. Essayez de descendre là. Bon, là, il y a un secret. Mais celui-là, on le connaît, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Une petite vie, voilà. Ça me fait toujours plaisir. Donc, normalement, on va pouvoir récupérer le tonneau TNT qui est juste à côté. Parce voilà. Il est là. Hop, voilà. Tonneau TNT. Mais ce tonneau, je pense qu'il était fait pour ce secret. Oui, je pense aussi. Mais ça te fait toujours un tonneau pour essayer ailleurs. Ouais. Et si il faut faire péter un tonneau d'huile, mais un bon. Attends. Si je le pose ici. Hop, et je tue toi. Pourquoi il a pété le tonneau? Ah, dès que tu l'as posé, il s'est mis à vibrer. Ah putain, merde. Oh. Bon, on a un autre tonneau ici. Bon, là-haut, je peux pas aller. Moi, je disais peut-être derrière ce tonneau-là, mais ça me paraît pas probable. Quand je peux faire, je saute et je tire ici. Ou je vais mourir. Oh merde! Comme de péter dans l'eau ce que j'ai fait là. Enfin, je sais pas si vous avez déjà lâché des caisses dans l'eau. Mais c'est exactement pareil. Non, 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 franchement, lâcher des caisses dans l'eau, c'est vachement plus rigolo que ça. Ah ouais? T'es un expert! Non, 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 on m'a raconté. Ah! Et ce pneu, putain, il fait quoi? Il faut le prendre plus loin, ce pneu. On saute pas tellement haut avec ce pneu. Oh là 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 là. C'est encore un truc de malade. Hein. Merde. Ici, c'est sûr qu'il n'y a rien. Hein.
Je sais pas si je devrais pas revenir en arrière plutôt. Et là. Non, il y a que dalle. Rien. Bon. Je... Putain, sérieusement, je pensais qu'on aurait trouvé, hein, déjà. Moi, je dis, on fait encore... Ah, c'est encore toi, tu veux. Je suis sûr que c'est avant la sauvegarde. Mais non, je pense aussi que c'est avant la sauvegarde. Oula. Et le pneu, si on revient en arrière, voilà. Ah, tu vois, là, là ça passe derrière. Ah. Essaye d'aller chercher un... Tiens, là, juste là, dans le truc noir, là, c'est un tonneau. Bon, je vais essayer de faire un grand saut. Non. Non, non, non. Bon, ça paraît être assez improbable. Et franchement, les mecs, alors là... Et sur la fin du niveau, c'est sûr pas. Et avant, c'est sûr pas non plus. C'est un truc de malade. On a découvert combien ? On a... J'ai découvert au moins 3 des secrets là sur ce niveau. Facilement 3, ouais. Facilement 3. Là, essaye de l'autre côté. De l'autre côté du. Quoi, du trou. De l'autre côté du trou ? Ouais, retourne. Ah mince. Que je revienne en arrière, tu dis ? Ouais, ouais, ouais. Ok. De l'autre côté du tonneau. Essaye de jeter le tonneau de l'autre côté du trou là. Mais j'ai pas essayé avant ça. Ah, je sais plus. Merde. Mais avant, il me semble que je l'avais c'était fait. C'était pas terrible. C'était pas terrible, mais moi, ça m'étonnerait que ce soit ça. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils foutent un passage bonus au-dessus d'un vide. Là, en bas, il y en a un, mais on l'a fait. Merde. Et là, au-dessus des bananes. Si tu rebondis sur le gorille et tu essaies de sauter au-dessus des bananes. Ah oh, la double kill. Bon, ouais, dernier essai, mec. Dernier essai, après on fait... Là, point c'est de... le dernier de la vie. Le dernier... Ah, mais on n'est pas au début du niveau, c'est ça qui est con. Il faut qu'on se fasse game over. Bon. Là, y'a rien. Je donne ma langue au chat. Ici, t'es attentif. Là, y a rien. Là, y a le secret. Donc là, y a un secret. Donc c'est pas possible qu'ils aient mis deux secrets au même endroit. Merde, putain. C'est pas sérieux. Tu vois, je veux dire, là, y a le babouin et au-dessus des bananes. Ça m'étonnerait. Non, y a rien. Y a rien, y a rien. Et ici, ils mettent un tonneau. Pourquoi ? Pourquoi un tonneau là ? Un tonneau ici, mais pourquoi ? Essaye de descendre, essaye de sauter dans le trou sur ta gauche. Dans le trou, sur... en dessous de moi là ? Non. Ouais, en dessous de toi, en restant sur la gauche, là, en essayant de longer la paroi sur la gauche. Je sais pas du tout. Non. J'ai non. Plus d'idées quoi. Vas-y, faisons un autre niveau. Je pense qu'on fera une session les 24 heures où on essaie de trouver un secret. Bon bah allez, vas-y, trajet toc toc. Yeah! Ah putain, ouais! Celui-là. Celui-là, ça devrait être assez facile à trouver, les secrets. Enfin, je crois qu'on les voit. Ah, je sais pas, parce qu'on avait trouvé un dauphin. On avait trouvé un dauphin. Mais. On avait rien. Hop! Mais on avait rien. C'était pas très efficace. On avait. Je suis désolé. Rien à trouver de. Rien à trouver de plus. Ok. Mais là-haut, on peut pas y aller, hein. Putain. C'est ça qui m'intrigue beaucoup. Ah, pas mal, pas mal. Ah, mais de toute façon, toi, c'est ton ennemi naturel, les pélicans comme ça, donc... Je sais même pas pourquoi tu cherches. Je sais pas. Je sais pas. Mais à mon avis, ouais, non, tu verras, celui-là, ça va le faire. C'est pas possible qu'on va se crocher sur un niveau de la sorte. Comme le niveau précédent. N'oubliez pas le 8-12-12. Hein ? Hop !
J'aime bien la musique. Ouais, il faut sauter parce que... Ils ont triché là. On se croirait un peu chez les Incas, non, avec la musique. Oh putain. Oh allez, tu vois, je t'ai vu passer à travers là. Tu remercieras le lag. Mais en fait, ça s'appelle du talent, ça. Je me suis renseigné. Ah d'accord, ok. J'étais regardé sur Wiki et ouais. Ils ont dit que c'est... ouais, c'était du talent en fait. D'accord. J'adore aussi la musique de ce niveau. J'adore. Beaucoup de bonne musique sur tout le jeu de toute façon. Oh oh oh. Alors là il y a un tonneau. Mais je l'avais pris hein. Il me semble. Et il me semble que t'avais réussi à le prendre, ouais. Bon, on le reprend une deuxième fois. Ça me rend très nostalgique ces musiques. Oh, il faut très, pas. Très. Il faut j'ai, pas. J'ai envie de me suicider, voilà. C'est fait. Au revoir. Au revoir, monde cruel. Alors, milieu de niveau. Là-haut. What? Ah mais oui, putain, on avait fait ce niveau là dans le... C'était la folie furieuse. C'était la folie, ouais. Oh putain. Avec tous les mobs qui tombent dessus. C'est vraiment la gaieté même. Et voilà, là il y a un bonus qu'on n'avait pas fait. On l'avait pas fait celui-là. On l'avait pas fait. Attention, c'est quoi ce machin encore? Ah, oh, c'est le truc où tu rebondis dessus. Un croco sauteur en plus, mec. Et violet. Et violet. Violet, c'est mon croco à moi, ça. C'est le croco technique en fait. Je sais pas si vous êtes. Hop. Ouais, ça va être le nouveau logo. Oh putain, mon croco, il m'a bouffé. Du coup. Attention. Wesh. Ah putain, ça m'a remis bien en arrière, il me semble. Ouais, ils ont remis beaucoup en arrière là. C'est des enfoirés. Oui. De première. Oh là là. Mais bon, oui. Ça c'était juste parce qu'à un moment t'avais triché, donc du coup, hop. Oh, putain, je croyais qu'il allait de l'autre côté. Donc j'avais pris un bonus là-haut. Donc ça c'est fait. Ici en fait, en restant tout le temps en haut, il n'y aurait pas encore un autre passage. On verra. On verra. Peut-être que finalement, on a déjà tout trouvé. Hein. Bah, ce serait deux, ce serait cohérent, je pense. Oh, mais... Comment qu'il t'a... Il t'a tombé dessus. J'ai pris un coup de ventre. Ah non, on n'a pas le point d'alerte. Oui, un coup de ventre. Un coup de ventre, les mecs. Aïe. Oup. J'aime pas ce passage avec l'abeille. Tu vois, à toute vitesse, l'abeille coule. L'abeille coule. À toute vitesse, mais plusieurs fois. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. Plus vite, plus vite, plus vite. Ah, je peux pas aller plus vite, tu sais, moi j'ai des problèmes psychomoteurs. T'as le processeur qui rame. C'est ça. C'est bon. Et toi, dis-le à toute vitesse pour moi. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. L'abeille coule, la belle coule, la belle coule. D'ailleurs, l'eau de mes nouilles coule le long de mon coude. T'es fou. Je peux pas. Attends, mais. Et voilà. Je ferai plus c'est foutu, mec. Putain. Ah, faut pas trop t'en demander. Oh, tu non, perds non, tout de suite tes moyens. T'as même pas besoin de demander quoi que ce soit pour que je perde mes moyens. Putain. Et c'est quoi ta phrase que t'essaies de me faire dire? L'eau de mes nouilles coule le long de mon coude. Regarde ça, mec. Ah non. Ouais. Ah la loose. Ouais, la mais je veux refaire le combat du croco violet. Ça c'est le croco technique. Croco technique. Et en fait, pendant toute la zone qui clignote, il peut pas nous toucher, mais on peut pas le toucher. Oh, oh. Ah si, on peut le toucher même qu'il clignote. T'es pas encore mort. Hop. Non. Oh putain. Allez, meurs. Putain, quand il te saute dessus, il traverse tout l'écran. Hein. Oh. Mais ils sont imbattables, ces machins. Putain. T'avais pas réussi à en battre un une fois?
Ouais, mais c'était pas un violet, je crois. Ça, c'est le premier violet qu'on voit. Me semble-t-il. N'est-il pas? Putain, mais ce machin, tu sais qu'il m'énerve. Voilà, tiens. Bien fait. De quoi, l'espèce de petit vautour, là, il chauffe en plus. Et moi, je vais reprendre le bonus ou quoi? Qu'est-ce que je fais, là? Tu peux pas. Ah, on peut pas le reprendre. Oh, putain. Fais gaffe, gros. Mais coup de ventre! Coup de ventre! En fait, il faut que j'aille sur l'avant de la plateforme. Allez. Force et honneur. Ne perdons pas l'espoir. Ah. Hein? Pas mal. Tu t'améliores. Quel salaud. Ah, mais en fait, t'es tranquille, toi. Voilà. C'est ça. En fait, je suis en train de profiter du spectacle, là, tu vois. Ok. C'est bien. Et en plus, c'est gratuit. C'est ça. Je suis en train de penser à l'eau de tes nouilles qui est en train de couler le long de ton coude. Tu bois du thé, tranquille. C'est ça. Au calme. Au calme. Wow. Oui, j'ai cru qu'il t'avait tué. Mais en fait, j'ai fait une roulade de combat. Là, Attention, c'est le croco qui m'a tué tout à l'heure. Non. Quit. Oh. What? Pour la belle vie. Regarde bien s'il n'y a pas un truc quelque part. Mais... Oh non, il y a ce macaque là. Ce qui est fourbasse, tu vois, c'est que des fois la plateforme, regarde, là elle accélère. Ah. Ouais, et des fois elle freine. Oh non, oh non, c'est quoi? Ah ouais, contre eux, je peux rien faire. Dégage. Regarde bien s'il n'y a pas un bonus quelque part. Et on est au bout du niveau, hein. Bah on va y être, ouais. Non, je pense que c'est derrière lui, en fait. Voilà. Ah, attends, monte et t'avances un peu. Ah, je pense que c'est derrière lui. Tu veux que je tente quoi, un saut avec une roulade? Franchement, ouais. Une roulade et... Non. J'ai fait un saut avec une roulade. Mission accomplie. Oh, bon, toujours-t-il qu'on n'a pas le point d'exclamation. Non. On est obligé de se le refaire un coup, on a dû louper. Est-ce que ça serait au début du niveau? Ah, c'est ouais, mais comment et comment parvenir? Ça serait pas là au-dessus? Eh. Bah, je me le demande, mais comment tu vas parvenir à ça? Eh ben, tu vas me chercher. Ah non, merde. Il faudrait être les deux, tu sais. Puis tu sautes en l'air, tu te fais toucher. Et après, quand j'ai la main, je peux sauter plus haut. Eh ben, écoute. Ah bah non, on peut pas, non, parce qu'il faudrait que je me suicide. Ouais, bah, ah, attends, je me demande si c'est pas. Eh, là, t'as vu, il y avait trois bananes au-dessus du vautour. Je me demande s'il faudrait pas sauter au-dessus du vautour. Ou là-bas? Ouais. Là, ouais. Je suis en train de te montrer encore avec mon doigt sur l'écran. Mais... Ouais. Montre-moi plein de choses avec tes doigts. On est à 1200 km de distance et puis tu montes des trucs avec les doigts. Bah, c'est surtout sur mon écran 14 pouces cathodique, c'est vraiment pas simple. Ouais. Bah, j'espère que c'est là. J'espère que c'est là. Bah, écoute, on va essayer. De nouveau, ça serait de nouveau une sorte de bonus caché. Introuvable. Les enfants. Bah, le régime de banane me paraît bizarre quand même. Hein. Ouais. Je sais pas. Essaye voir de revenir là à gauche. Sauter sur le pélican. Voilà. Et de rester sur plateforme, en fait. Ah, d'accord, ok. D'accord. Allez, dis-moi tout d'un coup aussi. Je peux pas. Je suis quelqu'un de très limité, tu sais. Eh, attends. Ah, bon, on est tous les deux. Donne-moi la main. T'essayes de sauter et de te faire toucher en l'air. Bien en l'air. Voilà. Bon, on est en haut. Bon. Bon, tu t'es sacrifié, ça a pas l'air d'être ça. Mais ça a pas l'air d'être ça. Et c'est pour la France. Enfin, c'est pour l'Europe. Pour la France. Même pas. Pour la Suisse. Ni l'un ni l'autre, en fait. Ni l'un ni l'autre. Et à gauche, là, il y avait rien. Hein. Oh, ni la France, ni l'Europe, parce que tu fais partie ni l'un ni l'autre. Et maintenant? Pour les francophones. Allez pour la France! Qui fout trajet TikTok.
Bon, on va réessayer le... Pour la Suisse. Le Pélican. Yeah. Pour la Suisse, ouais. Et en même temps, ça me paraît très étrange qu'on doit être deux, dont l'un doit suicider pour permettre de faire je sais pas quoi, là. Ah, c'est dur à dire, à mon avis. Mais c'est peut-être bien vers la fin du niveau encore. Ah, putain, mais c'est pas vrai. Et tu sais quoi, j'ai dû mettre du savon sur mes jambes. C'est pas possible. Parce que hey, moi je trouve vraiment bizarre cet orang-outan à la fin du niveau, franchement. Je le trouve bizarre aussi. Attends, tu veux mettre de l'orangina où? Hein? Mais non, du savon sur mes jambes. Pourquoi tu me parles d'orangina? Je sais pas. J'ai cru que t'avais dit que tu voulais te mettre de l'orangina sur les genoux. je comprends plus rien. Ça me fait plaisir que tu m'écoutes quand je parle. Toujours, toujours. Et pourquoi t'es pas retourné voir le pélican à gauche là? Bah, à mon avis, y'a que dalle. Non? À mon avis, y'a que dalle. T'as dit quoi là exactement? J'avais pas compris. C'est du cyrillique. Sauf que tu parles directement en écrit, c'est ça? Voilà. Non, du cyrillique, j'ai pas dit du... Ah, du braille. Cyrillique, tu pourrais dire du russe. Le cyrillique, je pense que c'est l'écriture, en fait, c'est tout. Ah, c'est l'écriture russe. Alors, en fait, c'était du braille, je me suis trompé. D'accord. Bon, là, il y a un secret, on l'a fait, on est d'accord, hein. On l'a fait plusieurs fois. Avec témoin à l'appel, donc... Le prochain secret, il est où? Il est où? Il est où le secret? Il est où? Il est là! Il est là! Attentif, je te sens que t'es pas attentif! Hop. J'étais juste en train de te regarder. Là-bas, il y a un secret, mais on l'a fait! Ah! Oh. Mais non! Ah ouais? Et là, tu parles en quelle langue? Là, je me retiens. Je suis en langage poli, là. En javascript? C'est ça. C'est comme ça que Minecraft a été codé. Avec les pieds? Avec le cul. Pff, arrête. Avec le cul? Avec le cul de Notch? Qu'est-ce qu'on raconte? Mais qu'est-ce qu'on raconte pour des conneries, mec? Et là-haut, moi je vais aller là-haut, moi. Wow! Vas-y. Regarde partout, regarde bien en haut, en bas, regarde où il y a un secret. Tu me dis, là, il y a un secret. Dac. Il y a un secret, à la fin. À la fin, je le vois. Ah, putain, mais il n'y a pas de secret, là. Et okay. Derrière le gros balourd, là, qui vient de me tuer, on pourrait pas faire une roulade et accéder en haut sur cette plateforme. Peut-être bien. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, mais pourquoi t'accélères pas? Pourquoi t'as... Je sais pas, moi je ne suis qu'un enfant. Hop, casse-couille. Ah, tu me casses les couilles. Hein. Et interdit de bailler, hein, mec. C'est pas je baille pas, c'est parce que je réfléchis. Ah! Ok. Vas-y, mec. En même temps, t'es en train de... Ah putain! On peut pas passer la main sur ces rails, j'avais oublié. Ah, les fourbasses. Tiens. Qu'est-ce que tu fais avec une graine de café dans le cul? Ben, je sais pas, mais j'arrive pas à valider, en fait. T'es sérieux? Je te promets. Oh merde. T'as bien cliqué dans le... Attends. Si on fait ça... Ah ben, écoute, vas-y. Ah, vas-y. Remets-le. Alors voilà. Toi là-haut, si tu fais une roulade arrière maintenant, une roulade et un saut. Non. Ah, je crois pas. Ok. Je veux pas être assez haut. Putain, mais d'habitude c'est toi qui aime pas les petits crocodiles. Non, j'aime pas. Moi j'aime rien en fait. Oh là 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 là. Bon, moi je dis c'est dernière tentative. Je pense qu'on doit être passé 30 minutes là. Ah je putain, mais je regarde sur notre écran pour voir combien de minutes. Je vais porter plainte contre. Comment tu te racontes? Eh vas-y, j'ai plusieurs écrans, blablabla.
Plusieurs, j'en ai deux. Ah bah voilà. Eh ouais mec. Alors que moi j'ai un écran cathodique avec mon... Oui. Ah ton 120 Hz 4K là. Ok. Laisse-le tranquille mon 120 Hz, c'est jaloux. Va. À 1800 balles, ok. Ça marche. Mais non. Oh là 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 là. Bon, ne meurs pas, je vais regarder quelque chose. Hop. Oh là là, eh, on est rendu à 45 minutes, mec. Et ça va, c'est pas beaucoup plus long que d'habitude. Et les points d'exclamation, on n'arrive plus. Bah, faut en dire fait, le ça, niveau. Ah, ça prolonge sacrément la durée de vie du jeu, hein, n'empêche. Parce que là, il y a pour des heures de recherche avec ces points d'exclamation, je pense. C'est surtout qu'on est presque obligé, pour certains qui sont pas indiqués, de mourir, quoi, parce qu'on est obligé d'essayer les trous, faut essayer vraiment partout, hein. Ouais, mais ça me paraît quand même bizarre, ça. Le suicide pour trouver des bonus. Il devrait y avoir à chaque fois quelque chose d'indiqué. Oh, j'aime pas lui. Attention, l'abeille. Le gros méchant. On le laisse tomber. Oh là là. Là, hop, te voilà à la fin. Donc maintenant, il va falloir que t'essayes. Et si c'était ici que j'essayais? Attends, y a pas un tonneau de toi plus loin? Je crois pas, non. Regarde bien en bas, là, y a rien. Je vois rien. Je vois pas de banane. Comme ça. Et là, c'est direct la fin, ok. Ouais. Par ici, t'as plus rien. Et on voit rien nulle part. Hein. Oh. Non, et puis même en se baissant, ça fait pas descendre la caméra. Attends. Attends, regarde. Il y a une plateforme en dessous. Où? Regarde, juste dans le coin. Oh putain, je suis encore en train de montrer avec mon dos sur l'écran. Ah putain. T'as vu? Oh là 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 là, mais hey, tu vois vraiment sa limite. Hey, y a les fameux ballons bleus. Il y avait un pixel du haut du poteau gris en fait. Ok. Oh bah je suis content quand même qu'on ait trouvé ce truc. Et là en fait on voit les trois fameux ballons. En fait le ballon rouge c'est une vie, ballon vert deux vies et ballon bleu trois vies. On va essayer de l'avoir. Voilà. Voilà. Yeah! Ça sert à rien. Trois vies, c'est bien ça. Et j'espère qu'on a le point d'exclamation. Ah putain, si on l'a, je suis content quoi. Attends, où est-ce qu'ils vont nous remettre? Oh! Oh bah ça va. Allez, 50 vies, on sort. Troisième succès. Yeah! Et voilà, trajet toc toc. Pour une fois qu'on termine sur un succès, ça c'est cool. On va sauver, ouais. Pas comme la dernière fois. Ah, on arrêtez. A trouvé quelque chose! J'en suis malade et on a pris 3% quand même, juste avec un point d'exclamation. 3%, ouais. C'est eh ben en fait, c'est 1% par passage, tu vois. Et comme je pense que dans le niveau là, il y avait 3 tonneaux bonus, ça fait 3%. C'est pour ça qu'il y a un niveau dans le jeu, il me semble que j'ai lu quelque part, tu peux avoir 7% ou 6% en un niveau. C'est un truc de malade. Oh là là, c'est cool quand même. Mais franchement. Je reste super super intrigué sur cette allée du tambour là. Ce truc, ça va me rendre malade. Bah écoute, n'y pense plus parce qu'à partir du prochain épisode, on va commencer un nouveau monde. Yeah. Et ça va falloir, cool. C'est encore un épisode qui va durer à peu près 8 ans. 8 ans, voilà. 80, hein, 80 presque. 80 ans. Ouais, c'est ça. Ah, tu parles bien, je viens de réaliser que t'as dit 8 ans. T'as pas vu ton 60-20 là, ou ton 40-40. Ah, c'est du 30-50, ouais, pour ça, vas-y, je dis quoi. Là. Comment il se moque, j'y crois pas. Du 10-60. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, si vous voulez que KO compte en français, ou s'il continue à compter n'importe comment en Suisse. Eh. Oui. Fais gaffe. Je suis neutre, d'accord. Mais je peux être violent. Arrête de battre ta femme, ça les mecs.
Je crois que ça va partir en sucette là. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous, on s'est éclaté. Puis on se retrouve la semaine prochaine, n'est-il pas, pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao, ciao. Bon, bah, allez. Bisous à tous. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao.